faire une revue sur une marque de soins de visage. Donc c'est un petit kit que j'ai reçu de la part de la marque et j'ai été complètement emballée. Je vous en ai parlé dans les favoris, ça fait plus d'un mois maintenant que je les ai et que je les utilise tous les jours. Il s'agit de ce kit là, donc c'est le kit coup d'éclat. Il s'agit de la marque Karine Herzog, je ne sais jamais quoi, j'oublie toujours le nom. Allez savoir, donc c'est une marque suisse et c'est la marque chouchou de la princesse Kate Middleton. Donc voilà, c'est vraiment sa marque chouchou, c'est son secret de beauté. Si vous avez sûrement dû en entendre parler dans différents magazines, j'en avais vu une fois sur Cosmo je crois. Il y avait une petite coupure, une coupure presse sur le secret beauté de Kate Middleton et elle disait qu'elle louait un culte à ces produits-là, notamment le gel nettoyant, la crème hydratante et je sais plus quoi, il y a un autre produit. Parce qu'elle disait que, voilà, étant plus jeune, elle avait souffert de pas mal d'acné, elle avait eu des cicatrices assez importantes et du coup, elle avait essayé pas mal de produits et ces produits-là l'ont vraiment aidée. Donc évidemment, je pense qu'elle a dû essayer autre chose, c'est sûr, mais ça m'a vraiment donné envie de tester ces produits, vous devez vous en douter. D'autant plus que c'est une marque qui est vraiment assez chère, je tiens à le préciser, qui est même très chère. Et comme Noël approche, je me suis dit peut-être que ça peut vous donner des idées cadeaux, sachant que c'est vraiment des produits de qualité, mais assez incroyable. C'est vraiment une qualité largement supérieure à ce que même j'imaginais. Je me doutais que j'allais aimer ces produits, mais les aimer à ce point-là, je ne pensais pas. Donc j'ai reçu donc trois petits produits comme ça, enfin, petits produits qui durent une éternité quand même, puisqu'ils font chacun 50 ml, mais ça fait plus d'un mois que je les utilise et j'ai dû en utiliser un quart quoi. C'est vraiment, on dirait pas comme ça, mais il y en a vraiment énormément dedans. Ça se présente dans une petite pochette en plastique comme ceci, donc il y a différentes choses dedans. Donc il y a trois produits de soins, il y a un pinceau applicateur pour appliquer un masque, il y a à l'intérieur, et il y a une petite lingette donc qui a perdu de son éclat, mais comme je vous l'ai dit, je l'utilise pas mal. Tout d'abord pour commencer la revue, donc il y a à l'intérieur un gel nettoyant, donc c'est le Professional Cleansing. Donc gel nettoyant visage, donc qui est comme ceci. Donc vous voyez, j'ai bien utilisé. Ça par contre, j'utilise vraiment tous les jours, autant les deux autres. Vous allez comprendre pourquoi je ne les utilise pas tous les jours, mais celui-ci vraiment tout le temps. Au début, à la première application, j'étais assez... Je sais pas trop comment vous expliquer. C'est vraiment une texture qui me fait penser un petit peu à l'homéoplasmine. Si vous êtes familière avec cette crème-là, ce médicament-là, qu'on utilise en général lorsqu'on a des irritations, notamment moi j'utilise quand je suis enrhumée, quand on a des irritations, ça soulage vraiment, mais c'est une texture qui est vraiment très très grasse, assez épaisse, et pas des plus agréables en tout cas, moi je sais que j'aime pas trop, et ça me fait penser un petit peu à ça. Donc c'est moins gras, mais c'est pas gras en fait, mais c'est au niveau de la texture, c'est vraiment hyper étrange, et je serais incapable de vous dire à quoi ça me fait penser, mais... Par contre l'odeur j'adore, la première fois j'aimais pas trop et on s'habitue, c'est une odeur très douce, un petit peu florale mais très très douce, on dirait qu'il y a de l'amande dedans, je sais pas trop quoi, mais c'est très doux et enfin, voilà, c'est juste génial. Donc ça s'applique sur peau sèche, une fois que vous êtes démaquillée, vous massez en mouvement circulaire comme toujours et vous rincez avec la petite lingette qui est ici. Une petite lingette dont je me suis bien servie hier, donc elle est sale, mais j'ai déjà nettoyé à plusieurs reprises et aucun souci au niveau du lavage. Bon, elle était bien blanche au début et là, voilà, ma machine à laver ne maîtrise pas trop le blanc, on va dire, et voilà, c'était obligé, mais c'est pas grave, c'est efficace. Et donc c'est une lingette en fait qui durcit au contact de l'air ambiant, donc plus vous allez laisser à l'air libre, et en fait elle va vraiment durcir littéralement. Et une fois que vous la passez sous l'eau, elle redevient totalement... comme une petite lingette. Donc voilà, on rince avec la lingette et ça laisse vraiment la peau très 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 douce. Il n'y a pas du tout de sensation de gras, ça enlève toutes les impuretés sur la peau. Ça ne m'a pas donné de boutons, mais vraiment aucun souci, pas d'irritation, pas de rougeur, rien. C'est un nettoyant très doux, on peut apercevoir Lulu derrière qui essaie de se faufiler. Lulu ! Ensuite, il y a l'exfoliant visage, enfin le gommage visage, donc qui est le Mild Scrub, et donc qui est un exfoliant donc visage. Voilà, je ne l'utilise pas tous les jours puisque ça reste quand même un gommage. Un gommage, voilà, il ne faut pas le faire tous les jours, à part s'il est vraiment très très doux et conseillé pour un usage quotidien. Celui-ci, moi je l'utilise une fois, au début j'utilisais deux fois par semaine.
Je trouvais que c'était un peu trop pour ma peau, donc voilà, j'utilise une fois par semaine et je trouve ça vraiment très bien. J'ai vraiment trouvé le rythme avec cet exfoliant, c'est un très très bon exfoliant. Moi j'en utilise assez peu, je suis généralement fidèle depuis très longtemps au Dermalogica, parce que lui par contre c'est un gommage très doux qui peut s'utiliser quotidiennement. Sinon j'utilise le gommage de chez Bourjois, la pulpe d'orange qui est géniale, mais qui va vraiment redonner de l'éclat à la peau. Au niveau des grains, ils sont pas du tout agressif, c'est pas du tout abrasif pour la peau, ça ne fait pas mal. Il faut l'appliquer. Donc ce que je fais moi, j'utilise une noisette sur chaque partie du visage et je viens après humidifier avec la paume de ma main et je viens faire des mouvements circulaires puisque c'est un gommage qui s'utilise plus ou moins humidifié pour un résultat plus doux. Ce gommage, il va vraiment vous aider à retirer toutes les impuretés, à désincruster votre peau, enlever toutes les peaux mortes et tout ce que vous avez accumulé tout au long de la semaine, des jours, etc. Donc c'est vraiment un très très bon exfoliant. Au niveau des pores, j'ai pas trouvé par contre une grande différence. Au niveau du dernier produit, c'est probablement un de mes produits préférés avec le gel nettoyant. J'arrive pas à me décider sur le produit que je préfère le plus parce que voilà, c'est vraiment la routine que j'aime. Ensuite, le tout dernier produit, c'est le masque visage, donc qui est à base d'huile essentielle et par contre j'adore l'odeur, franchement j'adore. C'est pas du tout une odeur puissante ou forte comme on pourrait s'imaginer. J'adore vraiment cette odeur. On dirait qu'il y a de l'orange dedans, j'ai bien l'impression. Et ça sent trop 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 bon. Donc c'est un masque qui s'utilise en complément du petit pinceau que je vous ai montré tout à l'heure. Donc qui est ici. Et ça par contre, je trouve que c'est une très bonne idée. Parce qu'en fait c'est un masque, c'est mentionné derrière qu'il faut éviter de l'appliquer au niveau des sourcils. Puisque ça peut décolorer. Donc avec le pinceau, moi c'est vachement précis. Puis c'est vrai que ça, voilà, un pinceau c'est jamais trop et je trouve ça assez pratique. Donc c'est un masque lui qui vraiment enveloppe la peau, qui est c'est une tuerie ce produit. C'est vraiment un produit que j'ai adoré mais complètement. Donc lui je l'utilise, je me perds dans les mots, une fois par semaine, donc juste après avoir utilisé l'exfoliant. Je les utilise toujours en complément et je laisse poser 10 minutes, donc en couche ni trop épaisse ni trop fine, voilà, avoir un juste milieu quand même. Donc sur tout le visage, la zone T et les joues, j'insiste assez sur les joues puisqu'en fait c'est un masque qui va vraiment, de par sa composition, il va vraiment révéler l'éclat de votre peau, il va vraiment la rendre plus lumineuse. Donc lumineuse pas dans le sens grasse ou voilà, peau grasse, pas du tout. C'est vraiment une peau moins terne et une peau lumineuse, éclatante de santé. On voit vraiment la différence. Moi depuis que je l'utilise d'ailleurs, c'est marrant parce que ouais, vraiment depuis que je l'utilise, j'ai eu plein de compliments donc à la suite de mes vidéos sur l'état de ma peau. Vous avez été plein à me demander ce que je faisais pour avoir une jolie peau. Et voilà, ça fait presque 2 mois que j'utilise ces produits et c'est sûr qu'ils sont pour quelque chose parce que j'ai la peau vraiment moins terne, j'ai très très peu d'imperfections. Donc voilà, que demander de plus, c'est des produits qui coûtent certes un bras mais qui valent carrément le coup. Et si vous voulez vraiment faire une belle découverte et pourquoi pas avoir de beaux cadeaux à Noël, je vous les conseille vraiment parce que voilà, c'est vraiment une belle marque et de très très bons produits, très très bonne composition, ils sont sans parabènes. Enfin voilà, ils sont juste géniaux et je vous les conseillerais pas du tout si je n'avais pas aimé. Je pense que vous me connaissez. C'est pas du tout mon but de vous conseiller des choses que j'ai pas aimées. Et je pense que vous verrez si ma peau était en mauvais état. Là, c'est pas du tout le cas. Alors par contre, au niveau des prix, je me les suis notés. C'est là que ça fait un petit peu mal. Donc le gel nettoyant, il coûte 57,60€. Le gommage, 41€. Et le masque, 50,40€. Donc c'est plus qu'un investissement, c'est clair. Et au niveau du kit que j'ai reçu, donc il coûte 115€. Donc ça comprend quand même les 3 produits, le pinceau, la lingette et bon la trousse. Donc je trouve ça plutôt correct. Enfin vous allez me dire, vous allez me jeter des pierres, correct dans le sens où à l'unité ça coûterait beaucoup plus cher et ça permet de vraiment découvrir les best-sellers en fait de la marque, à savoir les 3 produits et en même temps c'est une marque, c'est pas du tout des miniatures, des formats voyage qui vont vous durer un mois, pas du tout. C'est vraiment, voilà, ça peut être un joli cadeau comme je vous l'ai dit et certes c'est un investissement mais je pense que tout excellent produit mérite un petit investissement de plus. Donc voilà, moi je pense que je rachèterai le masque, ça c'est vraiment sans hésiter, je pense que je rachèterai le masque quand j'aurai fini parce que des masques j'en ai assez peu finalement, j'utilise celui de chez Kiehl's, le Deep Pore Cleansing Mask que j'aime beaucoup parce que lui par contre il resserre les pores et il est extra.
Et c'est tout. J'utilise le cupcake de chez Lush quand j'ai des imperfections et voilà, c'est tout. Et celui-ci, pour avoir une peau vraiment lumineuse, je le trouve génial. J'ai essayé des masques en tissu pour révéler l'éclat un petit peu de la peau. Je les ai pas trouvés si extra que ça, parce que celui-ci, on voit vraiment la différence. Donc c'est un produit que je serais totalement susceptible de racheter. Et par contre, un produit que je n'ai pas testé mais qui me fait de l'œil... Vous pouvez pas vous imaginer, c'est la crème hydratante à l'oxygène, je ne sais plus comment elle s'appelle, et c'est un des produits favoris de Kate Middleton également, puisqu'en fait c'est une crème hydratante qui s'adresse aux peaux jeunes à tendance mixte à grasse avec des imperfections. Donc j'ai pas d'imperfections, mais de temps en temps, ça peut arriver que j'en ai, comme toutes les filles au bout d'une certaine période, on va dire. Et je pense que cette crème, elle a l'air géniale parce qu'elle a vraiment d'absorber le sébum et en même temps d'agir vraiment en profondeur sur les problèmes de la peau, et elle a l'air trop trop bien. Donc voilà pour cette petite revue, écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vraiment une marque que moi je ne connaissais pas plus que ça, j'en avais juste entendu parler une fois, comme je vous l'ai dit, quand j'avais lu un livre, et sur YouTube j'en ai jamais entendu parler. Donc voilà, c'est vraiment une marque qui vaut le coup, et à l'approche de Noël, comme je vous l'ai dit, ça peut être plutôt pas mal. Donc excellent produit, je vous le redirai jamais assez. Vous pouvez vous le procurer sur le site, je crois que oui, sur le site il livre en France, donc voilà. Au niveau des frais de port, par contre, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc je fais plein de bisous. Retrouvez toutes les informations sur... Je vous mettrai les liens si vous voulez. Les liens du site, du kit, etc. Si ça vous tente, dans la barre d'infos. Et si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai eu aucune critique négative. Donc voilà.